Ces dessins, ils vont être particulièrement précis aujourd'hui, puisqu'en fait, on est sous une création qui s'appelle Laura. Et Laura a des dimensions très précises. On a donc appelé Yves Pasquier, qui est un des initiateurs de cette œuvre d'art contemporain géante participative, et qui nous a expliqué donc les grandeurs précises de ce qu'ils ont voulu mettre. Donc on part sur la base du chiffre 7, et donc on calcule le rayon, le cercle, etc. etc. Donc ça, c'est la partie imposée, je dirais, du dessin. Et comme vous pouvez le voir sur Laura, il y a un cercle, et puis à l'intérieur de ce cercle, on a l'impression de voir une serrure. Et donc cette serrure, c'est la serrure pour nous de la porte de Maurienne, et on va regarder ce qu'il y a dans cette serrure de la porte. Et chacun d'entre nous, une fois qu'on aura dessiné la serrure, qui est donc à dimension non négociable, tout ce qui se passe dans la serrure est à dimension négociable. Et donc chaque personne va pouvoir inventer ce qu'il voit, je dirais, dans la vallée de la Maurienne. Je dirais que l'idée principale, c'est de dire que tout le monde peut faire de l'art. C'est n'importe qui peut prendre du temps et dessiner quelque chose. Pascal Auclair est un ami de très longue date et j'aime beaucoup son grain de folie comme ses graines de Maurienne. Et voilà, et donc c'est pour moi un plaisir de venir l'aider dans ses créations en plein air. Ça permet la rencontre, ça permet le passage, les émotions. Voilà, donc je trouve ça, la culture pour moi c'est indispensable de toute façon. Donc déjà on fait le tracé de base de la forme de serrure qu'on voit nous à travers Laura, au centre de Laura, en respectant les ordres de grandeur. Ensuite du coup on va avec des baleines de soutien-gorge qui ont été récupérées par une association et du tissu qui vient aussi de la même association. On va tracer, enfin on va piquer le tissu avec les baleines dans le sol et du coup ça va faire la structure de base et après on va aussi utiliser du tissu pour remplir l'intérieur. De prendre le temps de faire des choses dans la nature avec le temps qui passe, d'être dehors quoi, au rythme de la vie, ça fait du bien. De jouer avec des œuvres artistiques qui ont déjà été faites aussi, c'est hyper intéressant, c'est constructif je trouve. D'autant plus des œuvres qui sont vraiment spécifiques au territoire sur lequel on est là, le projet Graines de Maurienne.